Bonjour à tous, je tiens tout d'abord à vous remercier pour vos nombreux commentaires positifs sur mes précédentes vidéos. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur la construction et le fonctionnement de ma serre aquaponique. Plusieurs d'entre vous m'ont notamment demandé des plans de la serre et plus de précisions concernant le circuit d'eau. Dans cette vidéo, je vous dis tout et réponds, je l'espère, à tous vos questionnements. Alors pourquoi cette vidéo maintenant, presque 10 mois après le début des travaux et après une saison de fonctionnement? Eh bien tout simplement parce que je me suis laissé le temps de voir comment le système fonctionnait dans sa globalité. Quels étaient les points d'amélioration, l'utilité de certains éléments, comme par exemple le siphon cloche et les tables à marée, ainsi surtout que les erreurs à ne pas commettre. Avant de rentrer dans les détails de construction, quelques mots d'introduction sur les éléments qui m'ont poussé à me tourner vers la culture hors sol, l'aquaponie en particulier, et vers la construction d'une serre. Premier élément, la nature du sol dans la région et dans mon jardin en particulier. La terre argileuse est lourde et collante, alors certes avec beaucoup de courage et d'amendement j'aurais pu améliorer sa texture et sa fertilité, mais je n'en avais ni l'envie ni le courage. Deuxième élément, les mauvaises herbes, ou herbes non désirées dans le potager si vous préférez. Alors mon potager est envahi de pissenlits, liserons, chardons. Deux raisons à cela, la première venant du fait que j'habite à proximité des champs, dans une zone assez venteuse. Par conséquent, beaucoup de graines sont transportées par le vent et se déposent dans mon carré de potager. L'autre raison est que par le passé, je n'ai pas été suffisamment attentif au développement des mauvaises herbes, et à plusieurs reprises, celles-ci sont montées en graines et se sont répandues un peu partout dans le sol. Troisième élément, trop de nuisibles, donc limaces, chenilles, taupins, alerolles, pucerons, j'en passe. Et également trop de maladies cryptogamiques, comme par exemple le mildiou ou l'oïdium, et trop peu de solutions naturelles efficaces pour s'en débarrasser, ou du moins pour limiter leur expansion. Quatrième élément, le manque de temps, parfois d'envie je l'accorde. J'ai relativement peu de temps à consacrer quotidiennement à mon jardin, et même si j'adore voir pousser les plantes et ramasser les légumes, je n'ai absolument aucun plaisir à bêcher, désherber ou arroser. En culture hors sol, pourquoi avoir choisi l'aquaponie plutôt que l'hydroponie par exemple? Premier élément, pour son côté plus naturel et pour les qualités des fruits et légumes récoltés, que ce soit d'un point de vue organoleptique ou nutritionnel. Ceci étant dû à la grande diversité de nutriments présents dans l'eau. Nutriments qui proviennent à la fois de vos poissons mais également des autres organismes ou micro-organismes présents dans le système. Deuxième élément, la passion des milieux aquatiques et plus particulièrement des poissons. Troisième point, le plaisir d'expérimenter et d'apprendre de nouvelles choses. J'aime les sciences en général, et j'en ai d'ailleurs fait mon métier. Alors pourquoi une serre? Je pense que je ne vous apprends rien, une serre est bien utile pour pouvoir commencer à cultiver plus tôt dans la saison, et pour repousser surtout la fin de saison. Mais également pour pouvoir mieux maîtriser les facteurs environnementaux, comme par exemple les précipitations, le gel, le vent, la grêle, etc. C'est donc ces différents points qui m'ont amené à m'orienter vers la conception et la construction d'une serre aquaponique. Mon cahier des charges était le suivant, par ordre d'importance, le premier, produire des légumes de qualité en exploitant au maximum une surface au sol d'approximativement 24 mètres carrés, donc la serre faisant 6 mètres par 4 mètres. Deuxième point, automatiser au maximum le système pour éviter d'y passer trop de temps. Troisième point, produire des poissons de bonne qualité gustative. Quatrième point, faire quelque chose d'un peu esthétique et surtout durable, mais également construire un support pédagogique pour les enfants. De très nombreux sujets peuvent être abordés, comme par exemple la biodiversité, l'importance des micro-organismes dans les cycles biogéochimiques, notamment celui de l'azote, la chimie de l'eau, la biodisponibilité des éléments chimiques pour les plantes, etc., etc. Ceci explique en partie un certain nombre de choix que j'ai faits, que ce soit vis-à-vis des poissons dans le système, de la diversité des organismes, des plantes ou même encore des systèmes aquaponiques utilisés. Donc vous le verrez, substrat solide, sur pouzzolane ou billes d'argile, radeau flottant, système NFT, Dutch Bucket, sabloponie. J'ai d'ailleurs eu la chance cette année d'avoir eu la visite de deux classes de CM2 de mon village, et j'espère avoir à cette occasion titillé un peu la curiosité des enfants. Voilà, le décor est planté, nous pouvons maintenant passer aux différentes étapes de la construction. Vous allez voir que mon système aquaponique se décompose en trois modules, notés zones A, B et C. Alors si vous le souhaitez, il est tout à fait possible de commencer par le module A, puis ajouter par la suite les deux autres modules. Il est également possible de faire tourner votre système aquaponique à l'air libre les premiers temps et construire par la suite donc la structure supérieure de la serre en fonction notamment de votre budget et de votre temps. Alors on trouve sur internet une multitude de systèmes aquaponiques différents, plus ou moins complexes. On peut cependant les classer en deux grandes catégories que je vous présente ici. La grande différence, c'est la position de la sortie d'eau du bac à poissons par rapport aux zones où se trouvent les plantes. À gauche, c'est la configuration que j'ai utilisée dans mon système. L'écoulement se fait de manière gravitaire du bac à poissons vers le ou les filtres, et ensuite des filtres vers les bacs où sont les plantes. Et ensuite de ces bacs où sont les plantes vers un bac réservoir qu'on appelle également le puisard. Dans ce cas,
La pompe est placée dans le puisard et va remonter l'eau épurée au bac à poissons. Dans le second cas, à droite, le bac à poissons est situé en dessous des bacs plantés. Dans ce cas, la pompe est positionnée dans le bac à poissons et l'eau sous pression est remontée du bac à poissons et va passer dans un filtre pressurisé pour rejoindre ensuite les bacs plantés. L'eau va ensuite s'écouler en gravitaire vers le bac à poissons. Cette configuration est intéressante si vous voulez optimiser la thermie du système ou si tout simplement vous avez un bassin déjà existant dans votre jardin. Les deux systèmes sont tout à fait fonctionnels et présentent l'un comme l'autre un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Passons maintenant à la serre. Les dimensions sont les suivantes, 4 mètres de large par 6 mètres de long et au niveau du point le plus haut, 2,80 m. La forme choisie est telle que l'incidence des rayons du soleil sur la structure favorise la luminosité dans la serre et son réchauffement, avec un angle de 30 ou 60 degrés. Comme précédemment mentionné, le système aquaponique peut se décomposer en 3 modules que vous pouvez réaliser en plusieurs étapes. Le module A, qu'on visualise ici sur la partie gauche, puis le B sur la partie droite ou le C dans la partie centrale. Il est également possible de construire et faire tourner votre système aquaponique dans un premier temps à l'air libre et réaliser la partie supérieure dans un second temps. Voici sur cette diapositive une représentation schématique de la face avant avec l'entrée principale de la serre. Vous visualisez également les différents dimensionnements. Sur cette diapositive, vous visualisez la face arrière. La structure de base est similaire, mais j'ai rajouté 3 fenêtres battantes pour favoriser l'aération intérieure de la serre. En ce qui concerne le module A du système aquaponique, il se compose de gauche à droite d'une cuve IBC de 1000 litres pour les poissons, d'un filtre mécanique, j'y reviendrai un petit peu plus loin, de 3 bacs de culture faits de cuves IBC 1000 litres découpés, d'un puisard d'une contenance de 600 litres et d'un bac pour les cultures sur radeau. Comme je l'ai précédemment mentionné, l'écoulement se fait en gravitaire du bac poisson au puisard et ensuite l'eau est remontée sous pression du puisard vers le bac à poisson via une pompe de 5400 litres/heure. Rentrons maintenant plus dans le détail de la construction. J'ai débuté le projet début février 2021. La structure au sol qu'on visualise juste ici est constituée de madriers de 75 mm d'épaisseur et 225 mm de largeur, que j'ai traité avec plusieurs couches de goudron hydrofuge pour les rendre résistants à l'humidité. Sur ces madriers, j'ai positionné des équerres qui recevront les montants verticaux de la serre. Les chevrons utilisés pour les montants faisant 63 mm de large, j'ai donc laissé un espace équivalent entre deux équerres. J'en profite pour vous préciser ici que je ne suis absolument pas menuisier de formation et que certes ma façon de procéder n'est pas toujours très académique, mais en tout cas ça fonctionne et c'est du solide. Sur cette diapositive, vous visualisez l'emplacement du puisard. En ce qui me concerne, j'ai utilisé un bac de 600 litres rectangulaire de marque Oase. Alors tout simplement parce que j'ai réussi à obtenir plusieurs de ces bacs à bon prix sur internet. 600 litres, c'est de mon point de vue un volume minimum et si vous le pouvez, n'hésitez pas à mettre plus grand. Il peut parfois y avoir beaucoup d'évaporation en été et le niveau d'eau peut baisser rapidement. Une piste également à explorer, c'est l'utilisation d'abreuvoirs à bétail. Ils sont intéressants à plusieurs niveaux. Le premier étant leur volume, ils peuvent faire plusieurs milliers de litres, leur prix réduit et surtout le fait qu'ils ne se déforment pas sous la pression de l'eau ou de la terre. J'ai découvert ces systèmes d'abreuvoirs assez tardivement, mais si c'était à refaire, je pense que je partirais là-dessus. J'ai également travaillé dans une zone plus propre sur les différents bacs, sur leur ceinturage pour éviter la déformation sous le poids de l'eau et des substrats, ainsi que sur leur soubassement. Attention, substrat plus eau, on peut rapidement atteindre plusieurs centaines de kilos, il faut vraiment bien assurer le soubassement. C'est jamais très agréable d'avoir des bacs qui se déforment et d'être obligé de tout vider pour recommencer. Prenez donc un peu de temps sur ces aspects-là, ça en vaut vraiment la peine. Concernant la cuve à poisson, je suis parti sur une cuve IBC de 1000 litres, parce que j'en avais une à disposition, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des récupérateurs d'eau de pluie circulaire. Ils sont intéressants notamment du fait qu'en orientant correctement votre arrivée d'eau, ils vous permettront de générer un vortex, et donc un courant, apprécié par les poissons d'eau vive, comme la truite par exemple. Je vous présente ici les systèmes les plus couramment utilisés pour l'évacuation de l'eau et des déchets solides. L'eau arrivant dans le bac à poissons par le haut va sortir de la cuve sur le côté par débordement. La prise d'eau se faisant dans le fond du bac, l'aspiration générée va entraîner les déchets solides vers le filtre mécanique, évitant ainsi leur accumulation dans le fond du bac. Très important également, pensez surtout à laisser une prise d'air dans la partie supérieure de la tuyauterie pour éviter le siphonnage de votre bac à poissons en cas de coupure électrique. Pour ce faire, deux possibilités. Soit vous faites un trou à l'aide d'une perceuse sur la partie haute au niveau du coude de sortie, soit vous utilisez tout simplement une jonction en forme de T, comme vous pouvez le visualiser donc sur le schéma présenté ici.
On passe maintenant à la mise en place des différents éléments sur la zone A. Attention bien évidemment à l'horizontalité de ces différents éléments et du système. Je le redis une nouvelle fois, assurez-vous de la stabilité des soubassements, bien renforcés sous les bacs qui recevront les substrats solides et l'eau. J'en profite également ici pour commencer à décaisser la zone B, où se trouvera par la suite la rivière artificielle et le second module. Sur cette diapositive, vous constatez que je suis venu coffrer le côté extérieur de la zone A. J'ai placé des chevrons de 90 cm de longueur entre les équerres que j'avais initialement positionnés. Je suis ensuite venu coffrer avec des planches de 20 cm de large. Vous pouvez bien entendu utiliser n'importe quel système de coffrage, de bardage, en fonction de ce que vous avez à disposition. Sur la zone B, je fais de même. Je positionne également la structure qui sera amenée à recevoir d'autres bacs avec substrat. Ces bacs s'écouleront par débordement dans la rivière artificielle située juste en dessous. Je commence également à travailler sur la tuyauterie. Alors dans mon système, j'ai tout collé. L'avantage, qu'il n'y a aucune fuite. L'inconvénient, c'est bien sûr que le système est beaucoup moins modulable. Mais bon, c'est un choix personnel. La plupart des tuyaux utilisés sont en diamètre de 50. J'utilise des vannes également pour contrôler les débits d'eau. J'ai également construit des siphons cloches sur mes 3 bacs pouzzolanes. Mais avec le recul et après différents essais, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément utile. Une circulation d'eau en flux continu est tout aussi efficace. Je ne développe pas le point concernant la réalisation des siphons cloches. Vous trouverez moult informations sur internet, que ce soit sur les sites francophones ou anglophones. Voilà maintenant la partie la moins sympa du projet, le lavage du pouzzolane. Il est généralement trop sale pour être mis directement dans vos systèmes, il est important de le laver et d'éliminer les particules les plus fines. J'en profite également pour remercier Gauthier pour son aide dans cette tâche vraiment laborieuse. Un petit mot concernant les différents substrats solides utilisés dans les bacs de plantation. Les trois plus couramment utilisés étant le pouzzolane, les billes d'argile expansées, également appelées hydrotons en hydroponie, et les gravillons roulés. En termes de poids, le pouzzolane se situe entre la bille d'argile très légère et le gravier roulé. Le poids du substrat peut être un inconvénient majeur dans les structures. C'est également plus compliqué lorsque l'on veut nettoyer. Par contre, il assure un bon soutien des plantes. Le pouzzolane a également, de par sa surface rugueuse, l'avantage de présenter un rapport surface-volume important et intéressant notamment pour la fixation des bactéries nitrifiantes, essentielles au fonctionnement de nos systèmes. De ce fait, le pouzzolane est un peu moins agréable au toucher et peut parfois s'avérer abrasif, que ce soit pour vos mains ou pour vos bâches d'étanchéité. En ce qui concerne la longévité du substrat, le galet roulé et le pouzzolane sont très résistants dans le temps. Pour les billes d'argile, ça dépendra de leur qualité. Pour le prix, le galet est de loin le moins onéreux, suivi par le pouzzolane et la bille d'argile. Après, évidemment, ce prix varie en fonction des fournisseurs et des quantités commandées. Le pouzzolane dans la zone A est mis en place, de même que les tuyauteries. Donc pour rappel, le circuit d'eau part du bac à poisson ici, passe dans le filtre mécanique que je vous présente un petit peu plus loin, irrigue les différents bacs, à savoir les 3 bacs pouzzolane où seront ensuite les plantes, plus le bac qui recevra les radeaux flottants. L'eau s'écoule ensuite dans le puisard et cette eau est remontée par la pompe du puisard au bac à poisson. Je vais maintenant zoomer sur ces deux zones pour vous expliquer plus en détail le système. Sur la première zone, qui se situe entre la sortie d'eau poisson et les bacs de culture, se trouve la partie filtration. Sur la photo de gauche, je n'avais pas encore mis en place le filtre radial, et donc l'eau qui sort du bac à poisson, ici, s'écoule directement dans les bacs plantes. Ensuite, je le disais précédemment, cette eau va remonter du puisard, grâce à la pompe, vers le bac à poisson. On visualise ici donc la position du retour d'eau. J'ai également positionné sur ce retour d'eau un filtre UV pour clarifier l'eau et éliminer d'éventuels micro-organismes indésirables. Alors bien sûr, ce filtre UV n'est absolument pas indispensable, mais parfois bien utile si vous avez un important développement d'algues par exemple dans votre système, ou éventuellement un départ de maladie sur vos poissons. Personnellement, je ne l'allume que de façon occasionnelle. Donc l'eau qui revient du puisard passe dans ce filtre UV, remonte ici et sera séparée en deux. Une partie de cette eau retournera dans le bac à poissons, et l'autre partie ira alimenter les zones B et C, où se trouvent les deux autres modules. Je parlerai de ces modules un peu plus loin. Donc les flux d'eau vont être régulés grâce à la vanne, que l'on visualise également ici. Donc à gauche, je le disais, c'est le système sans le filtre radial, et le filtre radial, je l'ai conçu donc dans un second temps. Le voici ici, donc sur cette photo. L'eau qui sort du bac à poisson passe en gravitaire dans le filtre radial et ressort dans sa partie supérieure. Le filtre va retenir donc tous les déchets solides. Quelques mots maintenant concernant le filtre radial, j'en suis très content, sa fabrication et son fonctionnement sont extrêmement simples. Je ne vais pas rentrer forcément trop dans les détails aujourd'hui, mais il suffit de taper sur internet filtre radial, ou radial flow filter en anglais,
et vous allez trouver plein d'informations sur ce sujet. Le principe est le suivant, donc l'eau du bac à poissons sort par débordement, s'écoule dans un tuyau qui va créer donc une aspiration et entraîner donc les déchets solides accumulés dans le fond du bac. L'eau va ensuite remonter à l'intérieur du filtre radial, ressortir par les côtés, donc on visualise ici, redescendre par les côtés et remonter plus à l'extérieur du bac. Donc l'eau monte, redescend et remonte. Et donc ce cheminement de l'eau va entraîner donc la sédimentation des déchets solides dans le bas de votre filtre. Alors en ce qui me concerne, j'ai fabriqué mon filtre dans un fût de 120 litres, mais vous pouvez tout aussi bien réaliser ce système dans un conteneur poubelle, par exemple de 120 à 200 litres. Un petit mot maintenant concernant le dimensionnement du filtre. Alors forcément, plus celui-ci sera de taille importante, et plus le temps de séjour de l'eau dans celui-ci, et donc la sédimentation des particules, sera important. Un petit calcul rapide, si votre débit d'eau dans votre cuve à poisson est de 1000 litres par heure, alors le temps de séjour de l'eau dans votre filtre sera d'approximativement 7 minutes pour un filtre de 120 litres, et de 12 minutes pour un filtre de 200 litres. Donc plus l'eau séjourne dans le filtre, et plus la sédimentation des particules sera importante. Donc plus le filtre est gros, et plus vous retiendrez des particules de petite taille. En ce qui me concerne, je suis resté sur un filtre de 120 litres, et j'y ai rajouté, comme on peut le visualiser, une petite mousse filtrante à la sortie d'eau, ce qui fonctionne extrêmement bien. Un zoom maintenant sur la partie puisard et la pompe. Donc on visualise ici les sorties d'eau des bacs Pouzzolan, et la pompe qui a un débit, donc je le disais, de 5400 litres heure. Alors dans mon cas, j'ai une pompe à débit réglable, mais elle n'est pas toujours très accessible, du fait de sa position dans l'eau, et le réglage du débit est parfois un peu aléatoire. Je vous conseille par conséquent de réaliser une dérivation sur la sortie d'eau. C'est ce que vous pouvez visualiser sur ce schéma. Une partie de l'eau va être dérivée et va retourner vers le puisard. On peut ainsi assez facilement gérer les flux d'eau avec une vanne, ce qui permettra de contrôler précisément le débit d'eau qui va retourner au bac à poissons. Vous pouvez bien entendu, comme on le visualise ici, multiplier le nombre de dérives et utiliser cette eau qui va être sous pression pour alimenter d'autres zones ou d'autres systèmes annexes. Une petite photo ici de la partie radeau flottant sur la zone A. L'eau provenant du filtre se déverse à droite dans le bac, va traverser l'intégralité du bac et ressortir à l'extrémité opposée. Donc l'eau ressort et va s'écouler donc dans le puisard. Vous avez peut-être vu dans mes précédentes vidéos que j'ai utilisé cette sortie d'eau pour alimenter notamment en flux continu un petit bac dans lequel j'ai cultivé du cresson de fontaine. On visualise également sur cette photo le retour d'eau des zones B et C, donc là où se situent les deux autres modules dont je vous parlerai un petit peu plus loin. Voilà, le module A est maintenant fonctionnel, il ne vous reste plus qu'à faire la mise en eau. Alors vous pouvez décider de vous arrêter là pour commencer, vous avez déjà une belle zone de culture de un peu plus de 5 mètres carrés, ou bien vous pouvez aller plus loin en installant notamment des modules supplémentaires. Donc dans mon cas, j'ai installé un module supplémentaire dans la zone B, donc à l'opposé de la zone A, qui se compose d'une zone poisson d'approximativement 1 mètre cube, donc elle fait 4 mètres de long pour 60 cm de large et 50 cm de profondeur, c'est ce que j'appelle ma rivière artificielle. Alors c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs bassins poissons. Cela permet notamment donc de séparer les carnassiers par taille pour éviter la prédation, ou éviter de mélanger des poissons qui vont avoir des régimes alimentaires différents. Donc c'est le cas par exemple si vous avez des carnassiers et puis des perches ou des carassins dans votre système. Vous le verrez un petit peu plus loin, cette rivière artificielle va être surmontée donc de 3 bacs de culture remplis de billes d'argile et d'un système NFT. J'ai également prévu une partie sabloponie sur cette zone B que je n'ai pas exploitée cette année par manque de temps. Ce sera pour l'année prochaine. Dans la partie centrale de la serre, j'ai également mis une troisième zone où j'ai placé donc les Dutch buckets pour la culture des tomates. Donc le circuit d'eau sur les différentes zones est le suivant. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons la zone A, donc les eaux vont converger vers le puisard. Ensuite l'eau va être remontée du puisard vers le bac à poisson. Et donc au niveau du bac à poisson, on a un système de dérive avec une vanne. Donc une partie de l'eau va aller vers le bac à poisson et l'autre partie de l'eau va aller, comme on le voit sur ce schéma, vers la zone B et la zone C. Dans le cas de la zone B, donc l'eau va remonter, j'en parle un petit peu plus loin, sur la partie supérieure pour alimenter donc les bacs qui vont contenir des billes d'argile. Ensuite, cette eau, une partie de cette eau va se déverser dans le système NFT pour revenir donc et s'écouler dans la rivière artificielle. Concernant les trois bacs sur la partie supérieure, ces bacs vont se vidanger dans la rivière artificielle qui va être juste en dessous. L'eau de la rivière artificielle va sortir par débordement à l'extrémité opposée et rejoindre donc la zone A et le puisard. De façon assez similaire sur la zone C, donc l'eau va également remonter, s'écouler dans les Dutch buckets,
Le trop-plein dans les Dutch Buckets va partir dans un système de récupération d'eau, et cette eau va ensuite également converger vers le puisard. Donc, toutes les eaux vont terminer leur course dans le puisard. Et ensuite, donc, dans le puisard, la pompe va remonter cette eau vers le bac à poissons et vers les zones C et B. Vous voyez ici ces différents systèmes sous un autre angle. Donc, je le disais, l'eau s'écoule en gravitaire de la zone A vers les zones B et C. Donc le flux d'eau vers ces deux zones est géré donc par un système de vannes qu'on visualise sur la zone A. On visualise également ici juste derrière les filtres. Donc des petites vannes sont également positionnées, comme on le voit sur la zone C, c'est idem pour la zone B. Donc des petites vannes sont également positionnées sur les zones B et C pour gérer les flux d'eau sur ces deux zones. Notion importante également, j'en reparlerai un petit peu plus loin, on visualise dans le bas de la zone B, donc un système de vidange également, de siphonnage, donc qui permettra en cas d'accumulation de déchets dans vos tuyauteries, de siphonner totalement le système, et d'envoyer cette eau donc vers la rivière artificielle. Voici sur cette diapositive, donc le module B finalisé, donc après avoir mis en place la structure bois dans la zone B, donc les montants plus le coffrage, j'ai posé donc une bâche EPDM. Je suis venu ensuite découper donc le bois pour positionner mes bacs de culture. Donc ici, c'est des simples auges de maçonnerie d'une centaine de litres qui sont résistants donc à la déformation. J'ai positionné également mon système LFT, donc un simple tuyau de gouttière que j'ai perforé au diamètre désiré pour permettre la mise en place de paniers de culture. J'ai également terminé la tuyauterie. Ici, un simple tuyau d'arrosage qui alimente donc les différents bacs et les systèmes LFT. Donc l'eau va remonter sur la droite et va donc passer dans le tuyau noir qu'on visualise donc au fond, alimenter les différents bacs. On voit également donc sur ces bacs, il y a des systèmes de vannes également pour contrôler le débit. Et donc ce tuyau va finir sa course donc dans le système NFT. Concernant les bacs de culture, donc l'eau va s'évacuer par débordement, s'écouler dans la rivière en dessous. Donc le débordement se fait via un tuyau positionné donc dans un joint unicile de 16 mm. C'est exactement comme on visualise donc sur la photo à droite. Donc on voit le joint inutile, on voit le tuyau 16 mm qui traverse, et donc cet écoulement va aller vers la rivière artificielle qui est juste en dessous. Et dans le fond, on voit la sortie d'eau par débordement, ainsi que le tuyau qui va ensuite aller donc vers le puisard. Alors je me suis ensuite concentré sur la partie supérieure de la serre, avec dans un premier temps la pose des chevrons, qui viennent donc s'appuyer sur les chevrons que j'avais précédemment positionnés, ces chevrons de 90 cm. Donc pour rappel, l'écartement entre deux chevrons est de 1 mètre. Ce qui correspond notamment à la largeur des plaques de polycarbonate. Donc les chevrons sont reliés entre eux grâce à des pattes d'assemblage, en respectant donc des angles de 30 ou 60 degrés pour la partie la plus haute. Donc le système de fixation est assez simple, on utilise donc des montants aluminium qui vont être posés sur la structure, et donc ces montants aluminium vont ensuite recevoir donc les plaques en polycarbonate alvéolé donc de 16 mm. Ces plaques sont très simples à poser, et vous trouverez plein de documentation sur internet et chez les différents revendeurs de matériel de bricolage. J'ai ensuite positionné la faîtière, comme on visualise sur cette photo. Et pour protéger les cultures que j'ai mis en place, j'ai posé donc à l'avant et à l'arrière de la serre donc une bâche transparente, en attendant de poser donc les plaques de plexiglas. Intéressons-nous maintenant à la zone C, donc où se trouvent les Dutch Buckets. Donc c'est extrêmement simple, les seaux vont être traversés donc par des tuyaux de 16 mm, grâce à un joint unicile, comme j'ai déjà précédemment mentionné. Et donc ces tuyaux vont s'évacuer dans un tuyau plus large, le tuyau jaune qu'on visualise ici, d'un diamètre de 80. Et ce tuyau-là, ensuite, va converger vers le puisard. Donc, pour rappel, l'eau provenant de la zone A remonte par gravité vers la zone C, comme précédemment mentionné, va s'écouler dans un tuyau d'arrosage rigide sur lequel j'ai positionné donc des goutteurs, qu'on visualise également ici. Donc, l'eau va s'écouler donc en goutte à goutte dans les seaux, et donc c'est le trop-plein de cette eau qui va s'évacuer par les tuyaux de 16 dans la partie basse des seaux. Je ne l'ai pas précisé, mais j'ai mis donc cette sortie d'eau à peu près 5 cm par rapport au fond du seau. Comme ça, si jamais vous avez une coupure électrique ou si éventuellement vos systèmes de goutte à goutte se bouchent, eh bien vous aurez quand même une réserve d'eau dans le fond du seau, d'à peu près 5 cm de hauteur. Voilà, maintenant le module C est donc fonctionnel. Donc le module A maintenant tourne déjà depuis quelques temps, plusieurs semaines. Et donc j'ai réalisé mon cyclage, mon cycle de l'azote. Et donc on peut maintenant commencer à mettre progressivement donc les différentes cultures. Donc les pieds de tomates sont mis en place, de même que les salades, les choux, les blettes, les oignons et quelques courges. Idem sur la zone B, donc des salades, des courges, des fraises, des poivrons. Ça y est, il est maintenant fin mai, donc la saison est lancée.
J'en profite également pour finaliser donc les systèmes d'ouverture de la serre, comme on visualise sur cette photo, avec notamment la mise en place donc d'une petite extension des montants de la serre pour permettre le guidage par coulissement donc des différentes plaques de polycarbonate. Cela permet d'ouvrir la serre lorsque les beaux jours seront là. Je mets également en place les panneaux de plexiglas sur la face avant et arrière de la serre, en remplacement des bâches plastiques transparentes qui étaient temporaires. J'en profite également pour installer un ventilateur sur une prise thermostatée qui se déclenchera lorsque la température dépassera les 28 degrés. L'air chaud sera ainsi expulsé vers la porte d'entrée et vers les ouvertures sur les côtés de la serre, lorsque les ventaux seront ouverts. Voilà, le plus gros du travail est fait, il ne reste plus maintenant qu'à regarder pousser les fruits, les légumes et les aromatiques et passer à la récolte. Un peu plus tard dans la saison, j'ai également réalisé et posé donc la porte principale. J'ai également paillé tout le pourtour de la serre pour limiter l'entrée d'air froid par le sol. Sur le côté ouest de la serre, j'ai également réalisé et posé donc trois fenêtres battantes, j'en ai parlé précédemment. Et j'ai également mis des gouttières en place et un récupérateur d'eau. Voilà pour les réalisations 2021. Alors j'ai encore beaucoup de projets pour 2022, notamment la mise en place donc de la partie sablophonie, un système d'ouverture automatique des fenêtres de la serre lorsque la température est trop élevée, la mise en place également d'un circuit d'eau extérieur à la serre avec un système d'alimentation de bacs de culture extérieure. Donc pas mal de projets encore à venir. Voilà, je pense avoir fait le tour de l'essentiel sur cette vidéo. J'ai très certainement oublié donc certains points de détail et je serai peut-être amené par la suite à rajouter des choses sur ma présentation. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez et mettre bien sûr un petit like si la vidéo vous a plu. Ça fait toujours plaisir et c'est encourageant pour la suite. À très bientôt.